La compétition ici, présentement précise, c'est une compétition qui était par catégorie de cotes, c'est-à-dire que les joueurs affrontent des joueurs qui sont sensiblement du même calibre que le leur et non pas nécessairement selon leur niveau scolaire. Pour le tournoi ici, le déroulement, dans le fond, tous les tournois d'échecs qu'on organise, c'est des tournois qui sont système suisse, que ça s'appelle, c'est-à-dire que les joueurs jouent contre des joueurs qui ont le même résultat qu'eux autres et personne n'est éliminé. Donc, le joueur qui commence son tournoi par une victoire, il va continuer en jouant contre d'autres joueurs qui ont gagné. Et au contraire, si malheureusement on commence par des défaites, on n'est pas éliminé, on continue de jouer, mais en jouant contre des personnes qui ont eu, eux, également un résultat identique. Une fois que le tournoi est terminé, tous les joueurs vont une cote qui est ajustée et les joueurs qui n'avaient pas de cote ont maintenant une cote et qui leur permet de se comparer à des joueurs de partout au Canada. Les cotes sont enregistrées et placées sur un site Internet, le site de l'association Échecs et Maths. Donc, c'est certifié, c'est organisé, puis les gens sont tous classés. Les jeunes peuvent se comparer entre eux au niveau de leur force. Faut bien jouer. Pour bien jouer, ben il faut se protéger tout en attaquant, puis faire des bons coups. Et puis que le cheval... Il fait que des ailes, puis il saute par-dessus tout le monde. Mais les tours, ça, ils se déplacent quand même vite, puis sur les côtés. Puis les fous, eux autres, sont en diagonale. Eux autres aussi, ça se déplace vite. Bien, je me sens un peu stressée, là. Mais quand c'est rendu, genre, au milieu de la partie, ben là, tout va bien, là. J'ai beaucoup de stratégies. J'ai l'intention aussi de faire plein de coups. Mais aussi, l'important, c'est de s'amuser puis participer. Chaque coup différent puis que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Les jeunes sont motivés, sont intéressés. Quand on enseigne les échecs dans les heures de classe, pour eux, c'est comme la période d'éducation physique. C'est la période à laquelle ils ont très hâte d'avoir leur heure en classe. En tant qu'enseignant, il y a un côté très logico-mathématique que je développe avec les jeunes garçons et les jeunes filles dans les écoles. Ça apporte le sens d'anticipation, de jugement. Il faut calculer des coups suivants. Mais c'est beaucoup d'avantages parce que ça apporte au niveau de la concentration puis de la mémoire. Et puis, ça nous permet de voir dans notre tête qu'est-ce qui va se produire par la suite. C'est ce qu'on appelle l'intelligence spatiale. Tant que parent, ce que j'aime voir dans le jeu d'échecs, c'est de voir deux jeunes face à face, en silence, jouer, communiquer par les yeux, par quelques mots, mais pas d'artifice de télévision, de jeux vidéo, il n'y a pas de manette, il n'y a pas de cassette. C'est un jeu qui est vraiment, que je trouve sain, naturel, dépouillé, qui fait appel seulement à l'intelligence du jeune puis sa concentration. Il y a une communication entre les deux joueurs qui est subtile, qui utilise très peu de mots, il y a beaucoup de non-verbal. Les joueurs vont apprendre à s'observer. Est-ce que tu peux lire dans le visage de la personne? Tu sais qu'elle a fait une erreur puis que tu peux aller l'exploiter puis il faut que justement que tu trouves cette erreur là puis c'est ça. Puis si elle a fait un bon coup, ben tu sais, elle va sourire puis tu sais que va falloir que tu te concentres pour essayer de trouver le... Avec le chronomètre qu'on ajoute en cours de partie se rajoute une nervosité et puis un challenge supplémentaire
Je préfère de beaucoup des parties qui sont lentes et auxquelles on n'est pas obligé d'intervenir par un chronomètre, mais c'est certain que dans une compétition scolaire comme ici, où on a 5 parties à faire dans une journée, on doit limiter le temps à 1 heure par partie, ce qui n'est pas un problème pour les plus jeunes qui en sont à leur première compétition, parce que les jeunes de 3e, 4e année, souvent ont amplement de 15 à 25 minutes pour faire leur partie, tandis qu'au niveau des secondaires 3, 4, 5, à presque toutes les rondes, on est obligé de mettre au bout de 40 minutes un chronomètre avec 10 minutes chacun pour terminer. Et peu importe ce qui va se passer sur le jeu à ce moment-là, le premier dont le chronomètre arrive à zéro a malheureusement perdu la partie. Une bonne partie, c'est une partie que, ben, idéalement, que tu vas gagner, oui, mais difficilement. Puis, tu sais, quand la partie va se rendre au bout carrément, puis que, ben, tant qu'à moi, c'est vraiment ça qui donne la victoire, qui. C'est ça qui est le fun, la victoire, quand c'est difficile de l'atteindre, mais que tu l'as quand même. Une belle partie, c'est une partie dans laquelle tu vas rocker. Tu vas déplacer beaucoup de pièces. Réussir passablement à faire échec, des bons échecs, là, que, à un peu mêler l'adversaire pour qu'il ne sache plus trop comment quel coup jouer. Il fait un coup ci, mais là, ça pourrait être dangereux par là. Moi, c'est parce que c'est mon père qui me force. Fait que je peux bien l'écouter, là. Mais je trouve que c'est quand même le fun, les échecs. Pour le tournoi, la motivation, c'était si vous venez jouer au tournoi, vous jouez juste vos parties. Vous n'avez pas besoin de gagner. Mais si vous jouez aux 5 parties, ben, je vous achète un doudou en récompense. Fait que là, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? C'est la carotte au bout du bâton, un peu. Là, mais... la carotte. Il n'y a pas de pression à gagner du tout. La reine, ça va très, très bien. Même si c'est en première année, elle a 3 en 3. Elle joue contre des 3e et des 4e années. J'avoue que ça me surprend beaucoup. Là. Parce que c'est mon papa qui m'entraîne. Puis je trouve qu'il a pas mal raison. Comment ça se passe, là? Ça se passe très, très bien. Je m'enligne pour gagner le tournoi. En fait, je l'ai déjà gagné. Personne ne peut me rattraper. Ariane Pagé, médaillée d'or. C'est universel. Peu importe, on disait que ça se fait en silence. On communique par le non-verbal, peu importe si on joue contre un Russe, un Allemand, on n'a pas besoin de connaître le langage de l'autre pour être capable de jouer aux échecs. Puis quand on va dans des compétitions qui sont ouvertes à tous et non pas seulement au niveau scolaire, on peut voir un jeune de 8 ans se concentrer pendant plusieurs heures contre un grand-papa de 70 ans dans une même compétition. Puis ça, c'est tellement beau de voir qu'il y a plusieurs générations qui peuvent se mêler dans... C'est un loisir d'une vie et non pas comme un sport qu'à l'âge de 35 ans, 40 ans, t'es dépassé et que physiquement, t'es plus capable de suivre le rythme du jeu. Dépendamment des pays, ça c'est considéré différemment. Dans plusieurs endroits, c'est considéré soit comme une activité culturelle, un loisir, un sport, une science. En Europe, principalement, c'est considéré comme un sport national dans plusieurs pays d'Europe, au même titre que d'autres sports tels que le soccer ou le football. C'est sûr que la visibilité médiatique est différente. On présente des parties d'échecs comme ici, on présente des parties de hockey. J'ai du chaud. Je faisais mater devant la caméra par un petit jeune. Tu ne pouvais plus rien faire. Ça va très mal. Ah! Il vient de marquer. Il a marqué un mat. Il y avait un mat à 1. J'aurais pu sacrifier... Mais c'est ça le bon coup. Il pouvait plus rien faire. J'aurais pu laisser gagner ma tour, mais t'aurais eu trop un gros avantage. Donc, il a joué une belle game qui gagne. Mais t'as manqué ton coup gagnant. T'as fait ça avant, ça change tout. Ça change, c'est ça que t'as perdu. Hey, une très belle partie. Bravo. Il faut pas trop être gourmand, puis qu'on est mieux de vérifier nos coups avant de les jouer. Ça va bien?